Salut les affreux, c'est Mystix, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui est de la Forge Magie. Donc, je sais pas trop si je vais en sortir des vidéos de la Forge Magie, c'est pas souvent très intéressant, ou alors peut-être des petits tutos. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous la partager parce que, en fait, il est arrivé un truc plutôt incroyable. Après 80 tentatives, par là je me souviens plus très bien parce que la vidéo j'ai tournée hier et je commente après coup du coup. Le PA est passé, j'ai eu un beau jet, sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié la vitalité. C'était c'était vers 23h, j'étais fatigué après les cours et j'avais oublié la vitalité, donc je m'en voulais à fond et tout parce que j'avais besoin de pas mal de Kama et tout pour mon futur stuff. Et du coup, en parlant avec des gens de la guilde qui me disaient que du coup, il avait 147 de vitalité au lieu de 150, c'est une alliance Glourson. Ils m'ont dit que du coup, ça partait que vers 20 millions, donc je me suis dit, bon, tant qu'à perdre, autant refm après l'exopéra. Donc c'est ce que j'ai fait, et il y a 3 runes ravies qui sont passées. Et pour le coup, j'étais plutôt content honnêtement, je pensais que le pas allait partir à la première rune, chanceux comme je suis. Et bah non, et du coup ça m'a fait un jet plutôt, on va pas dire un jet potable parce que j'ai perdu une résistance quand même. J'ai pas eu des succès critiques, mais au moins ça me permet de le vendre sur mon serveur à 38 millions. C'est quelque chose que on crache pas sur 38 millions quoi, j'ai quand même fait plus 18 millions par rapport à mon premier jet. Donc voilà, une petite tentative de refm derrière, honnêtement je m'y attendais pas que ça passe. Pour moi ça allait casser du premier coup et voilà, j'étais plutôt content. Bon sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse et ciao les affreux.